La séquence qui vient est consacrée à l'étude des principaux objets Word 2013. Cette séquence n'a naturellement pas la prétention d'effectuer une étude exhaustive des objets Word, fort nombreux au demeurant. Nous allons pour cela nous appuyer sur un document existant, très simple comme on peut le voir, qui nous permettra d'illustrer les différents objets que nous utiliserons par la suite. Dans la communication avec Excel, nous allons commencer par mettre en place un certain nombre de signés, comme par exemple le signé nom. Rappelons pour cela la technique bureautique insertion signé suivi du nom du signé. De la même façon pour un autre signé insertion signé prénom. Nous procédons de la même façon pour les autres signets que nous envisageons d'implanter, adresse 1, adresse 2 et CP. On remarque que les signets sont présentés à l'intérieur de crochets grisés. Pour cela, il est indispensable de paramétrer une option, fichier, options, options avancées. Et nous cochons la case Afficher les signés dans le chapitre Affichage du contenu des documents. Cette disposition a pour avantage de permettre une meilleure lisibilité d'un document avec signé. Pour l'étude des objets, nous basculons naturellement dans l'interface de développement Visual Basique. Nous trouvons donc notre structure de projet attachée au document Word et nous faisons une insertion de module. Le premier objet que nous allons présenter est l'objet application, c'est-à-dire l'objet qui représente l'application Word elle-même. Nous avons vu précédemment une propriété et une méthode applicable à cet objet, il s'agit de la propriété Point .visible intéressante dans Excel si l'on souhaite que le logiciel Word lancé depuis Excel apparaisse à l'écran. Nous avons vu également la méthode Point .kit qui permet de quitter l'application Word. L'une des techniques intéressantes concernant l'objet application est l'utilisation de la collection Dialogues. Cette collection représente l'ensemble des boîtes de dialogue intégrées à l'application Word. Elle permet donc de tirer parti de toute l'ergonomie de ces boîtes de dialogue. Nous allons traiter un exemple plus complet. Il s'agit de mettre en œuvre la boîte de dialogue Fichier ouvrir. Pour cela, nous commençons par déclarer une variable booléenne nous permettant de récupérer le résultat de l'action de l'utilisateur sur cette boîte de dialogue. Procédons ensuite à l'utilisation de la collection Dialogue en utilisant la variable blnRéponse dont le résultat sera calculé de la façon suivante. Nous utilisons donc l'objet Application. Nous prenons la collection Dialogues et nous repérons la boîte Fichier ouvrir par la constante Word WD dialogue, File open. Il nous suffit ensuite d'appliquer la méthode show. Nous inscrivons ensuite un test basé sur la variable boolean BLN réponse. Nous permettons de savoir si un nouveau document Word a été véritablement ouvert ou pas. Exécutons la procédure. Dans le premier cas, la boîte de dialogue ouvrir apparaît et nous cliquons sur le bouton annuler. Nous obtenons donc bien le message on n'a pas ouvert de nouveau document. Relançons une nouvelle fois la procédure, cette fois-ci en utilisant un fichier que nous ouvrons. On a ouvert le document Word sur Excel .docx. Passons maintenant à l'étude de l'objet Range. Cet objet est essentiel dans Word puisqu'il représente toute zone contiguë de texte. Cet objet sera utilisé pour la réalisation de documents Word de toute pièce. L'objet range possède deux arguments, l'argument start définissant sa position début et l'argument end définissant sa position fin. Nous allons traiter un exemple. Permettant de définir le range correspondant aux cinq premiers caractères du document, autrement dit les caractères F-I-C-H-E débutant le document Word. Nous allons chercher à remplacer le mot fiche par le mot formulaire. Pour cela, nous basculons dans VPA et nous réalisons la procédure sub-test-range. Nous allons donc désigner la part de texte concernée en prenant active document donc l'objet range premier argument start égale 0 et end égale 5 la propriété texte nous permet de désigner la chaîne de caractères et nous modifions cette valeur de propriété par la chaîne formulaire. Remarquons au passage que les arguments start et end ne concernent absolument pas des positions de caractère, mais des positions dans le texte. Autrement dit, la position 0 signifie que nous nous plaçons en fait avant le premier caractère. Exécutons la procédure test range et si nous revenons dans le texte nous remarquons en effet que le mot fiche a été remplacé par le mot formulaire autre objet important dans la réalisation automatique de texte word c'est l'objet bookmark correspondant à la notion bureautique de signer l'objet bookmark fait partie de la collection bookmarks le remplissage d'un signet s'effectue là aussi grâce à l'objet range et à la propriété texte. Nous allons donc effectuer deux exercices pour nous familiariser avec la collection bookmarks et l'objet bookmark. Dans la procédure liste signet, nous commençons par déclarer deux variables, une variable objet de type bookmark et une variable string, chaîne de caractère. La variable str_signet est initialisée de façon à donner un titre à notre tableau affiché. Nous effectuons ensuite un balayage de collection par la structure for each next. À l'intérieur de cette boucle for each next, nous allons donc alimenter la variable signée par la propriété name de chaque bookmark. Une fois sorti de la boucle, nous affichons la valeur de la variable str signé. Pour une meilleure lisibilité, nous rajoutons un saut de ligne forcé après chaque signé. Exécutons la procédure et nous obtenons donc la liste de tous les bookmarks de tous les signets présents dans notre document Word tels que nous les avons définis en bureautique. Si nous souhaitons maintenant valoriser les signets, nous allons procéder de la même manière, autrement dit à l'intérieur d'une boucle for each next, nous allons instituer un simple dialogue input box nous permettant de passer en revue l'ensemble des signets et de leur donner des valeurs choisies par l'utilisateur. Nous effectuerons donc l'instruction suivante. BKM signé. Nous prenons le contenu grâce à la propriété range déjà étudiée et la propriété texte valorisée par un input box dans laquelle l'utilisateur sera sollicité par un message lui donnant le nom du signet qu'il doit remplir. Bkm -signé Exécutons la procédure Garni-signet. Les signés se présentent à nous par ordre alphabétique. Signé adresse 2, code postal, nom, prénom. Nous obtenons donc bien un document rempli de façon dialoguée par l'intermédiaire des bookmarks.